L'émotion est vive. La tristesse se lit sur tous les visages. Autorités, compagnons d'armes, amis, parents et connaissances sont ici au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso pour accompagner Karfa Dembélé et Gérard Hien, précédemment tous forestiers en service à Sidéradougou, en leur dernière demeure. La nation burkinabé témoigne sa reconnaissance aux défunts. Ils reçoivent à titre posthume la médaille d'honneur des eaux et forêts. Il y a à peine un mois, on mettait en terre Yamego Gilles. Aujourd'hui, c'est Karfa et Gérard. Le sentiment général, c'est un sentiment de compassion, de solidarité à la famille et au corps, et surtout rassurer l'ensemble des agents du ministère, de la disponibilité du gouvernement depuis le dernier attentat à l'Est, que toutes les conditions sont en train d'être mises en œuvre pour leur permettre de travailler dans des conditions plus sécurisées. Il a toujours été disponible à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, à n'importe quel lieu. Je retiens de lui un petit frère, car il était le plus jeune de notre promotion. Un petit frère qui se bat toujours, que la terre lui soit légère. Mortellement atteint le 26 mars au cours d'une mission de patrouille, Karfa Dembélé et Gérard Hien reposent désormais au cimetière municipal de Bobo-Dioulasso. Ils laissent derrière eux des familles inconsolables et des collègues dans la tristesse.